tombé. Oh non. Et on vient de commencer, on vient de lancer le jeu et déjà comme ça direct les gens ils se prennent des arbres et tout. Je veux dire à un moment donné comment c'est possible hein. Bonjour à tous et toutes, je suis Seros et bienvenue. Mais il y a un petit souci en termes de... Il y a un petit souci en termes de permis de conduire. Hein. Bienvenue à tous sur la suite de Far Cry 6, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à présent sur la suite de l'épisode précédent, dans laquelle nous étions en train de faire la Revolution. Je dis ça parce que je sais plus exactement ce que je faisais dans l'épisode précédent. Donc du coup, je vais juste prendre ma map et vous dire tout de suite où je dois aller. Alors, ma quête se trouve... Là-bas. Ah oui, je faisais des quêtes secondaires en fait, c'est pour ça. Je faisais des quêtes secondaires. Mais là, je me rappelle maintenant. Je me rappelle, hein, c'est bon. Ça commence bien, c'est un beau début. Oui, ben tu sais, on va dire que ça commence. Ce jeu est rempli de surprises. Voilà. C'est vraiment rempli de surprises. Ça va? Que voilà. Je sais pas pourquoi je chante cette chanson à chaque fois. J'ai besoin de... À chaque fois que je joue à ce jeu. J'ai pas posté la rediff encore, attends. Chic, un visage familier. Talia compte pas lâcher l'affaire. C'est moi où j'ai accepté la quête sans écouter la quête en fait. Mais on a besoin de tout le monde. Ma chaîne secondaire, j'ai oublié de poster la suite. Putain, je suis trop nul. Attendez, je vais... Surtout que tout est uploadé en fait, mais depuis 3 jours, j'ai rien posté. Alors que les épisodes sont déjà postés sur la chaîne. Hola, que tal? Paolo est encore débordé, hein. Il t'envoie ici pour m'aider? Non. Je passerai tout à l'heure, du coup, vous inquiétez pas. On va jouer, là. On va pas passer, on va faire ça. Est-ce que... Ça vous sert de voir, les infos sur le côté, là? Ces infos-là, vous avez envie de les voir ou pas? Vous avez envie de les voir? Je descends la cam comme ça? Ou c'est pas nécessaire? Parce que je me rends compte, en fait, que ouais, je vous montre jamais les quêtes. Bon bah je vais me mettre là quand même au cas où. Ou alors je me mets de l'autre côté. Comme tu veux. Non, ça vous en foutez? Non? Ok, bon je remonte alors. Bon. Je vais rester comme alors, ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Allez, c'est parti. Bon. Alors toi déjà je t'aime pas. Voilà. Ah non, je vais aller à l'arsenal, attendez. Je vais aller à l'arsenal, je vais mettre un vrai viseur sur ce nouvel arc. Parce que bon, c'est rigolo quand même de jouer avec un arc sans viseur, mais c'est pas si pratique que ça. Figurez-vous, vous allez me dire comment ça se fait, Seros? Eh bien, en fait, je vais vous dire un truc. Un arc sans viseur, bah, tu as tendance à tirer un petit peu à côté. Eh oui, c'est pas ouf, hein. Alors, du coup, ici, je vais mettre augmenter la vitesse de déplacement lorsque vous visez, changement de dégainage rapide. Oui, parce que c'est un arc, ça devrait. Ici, je vais mettre tir en pleine tête, génère une synchro supplémentaire, là. Et ici, ça augmente les dégâts des armes contre les ennemis dont la santé est basse. Augmente les dégâts des armes contre les ennemis en contrebas. Oui, parce que je vais souvent être en haut. En breloque, je vais mettre un petit piment, parce que j'aime bien. Et on va mettre la couleur verte, parce que... pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc on va jouer avec ces armes-là pour le coup. La quête, je sais pas c'est quoi, parce que du coup, j'ai pas parlé à la madame. Alors, Maria cherche à nous baiser. Ok, il est temps de lui rendre l'appareil, détruisez les publicités et les camions de propagande à la con, anéantit son usine de Rome, fait écrouler son monde. D'accord, on va se téléporter en volant ici, on va aller au-dessus de l'aéroport et on va détruire tout ce qu'elle demande de détruire. Je suppose que c'est des trucs aléatoires parce qu'il y en a plein partout, ou alors peut-être que c'est des trucs vraiment ciblés en fait, je ne sais pas. Alors, où est-ce que je dois aller? Je dois aller là-bas? Très bien! Écoutez, on va... Je t'envoie une photo des camions de propagande de Marquesa. Désolée que tu dois voir sa tronche. Raison de plus pour les démolir. J'en peux plus d'entendre sa propagande depuis que Castillo est aux commandes. Défonce-les, Danny. Qu'est-ce qui te prend, Alexandre? Tu es tombé sur ton clavier? Ah! Sora, t'es là depuis quand? Parce que tout à l'heure, on a posté la vidéo du vlog. Et je crois qu'on t'a vu, Sora. Cette agression d'emote. Ouais, c'est, j'avoue. Attends, j'ai pas fait ça encore. Attends, c'est nouvelle, c'est une zone rouge. Y'a quelque chose là-dedans? Y'a des trucs là-dedans ou je vais rentrer juste pour rentrer dedans?
Oh, bah écoutez, on va tester le nouvel arc, hein, on va voir s'il est bien. Oh, pour le coup, ça a l'air pas mal. Eh, vous voulez pas rejoindre les bandidos? Eh, bandidos, yeah! Plus j'ai des bandidos, plus mon armée sera grande. Allez, c'est bon. Qui est là? Quel grognon. Merde. Ouais, il fait pas autant de dégâts que l'autre. Oh, 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 d'où tu... D'où il lance des grenades comme ça, lui? Ils ont tué le bandidos. Non. Oh non, tout le monde est mort. J'ai raté mon coup, les gars. J'adore en fait comme l'IA en fait a sa zone de repérage du bruit etc est très courte, très petite. Du coup il peut avoir un énorme combat mais elle comme elle est au bout de la zone elle n'entendra pas. Ça change de Crysis hein. C'est le chaos ici. C'est vraiment le chaos ici. Hein. Vous imaginez vivre dans ce monde où on peut se faire défoncer par des coyotes? Ah! Dégage! Dégage! Ouais, cours! Ouais, cours! Ouais! Je viens de revenir, j'ai raté. Non! C'est trop nul, t'as raté! C'était très nostalgique. Ouais, j'avoue, c'était cool en fait, n'empêche. C'était cool de revenir à me faire une petite rétrospective en fait sur les vidéos. J'ai déjà fait ça, on fait ça souvent en live. J'ai dû le faire au moins une fois par an. Et à chaque fois, je trouve ça très cool. Tu veux te faire bien voir? L'armée a installé un poste de contrôle. Ce serait une grande victoire pour nous si tu le détruis. Merci bien. C'est un peu loin de ma quête principale. Hein. Je vais continuer de faire ma quête. On va continuer de faire ma quête qui est à 400 mètres là-bas. Ce sera plus simple. Un live nostalgie. Du coup, j'ai pas trop compris, mais tu vas être que sur Twitch ou des fois sur YouTube. Je vais être sur YouTube aussi. Je vais être sur les deux. Mais pas pour les mêmes types de contenu. On va garder le gaming uniquement pour... Le gaming sera uniquement pour Twitch. Que mon école a sonné, les connons et là l'état. Et n'a été... Oh my God. C'est fini pour toi. Let my vie. Get my daddy. Tito Tito. Maria doit commencer à se sentir abandonnée. L'usine de rhum de Maria. Ça va faire du bruit. Ok. Attends. C'est pas facile. Il y a comme une sorte d'aide de pilotage qui fait que... Adieu, rhum de merde. Il y a une espèce d'aide de pilotage qui m'empêche d'être très précis, on va dire, c'est bizarre. Allez! Le cooldown est lent! Attends, j'ai plus?
Vamos! Ah, je prends feu! Hey! Je joue pas trop quand même. Ah. Hier dans Crysis c'était hardcore, maintenant il a trop dead. Ouais, c'est totalement ça en fait. Tu vois la différence en fait entre un jeu 2021 et un jeu sorti en 2007 en termes de gameplay pur. Le gameplay en fait, en gros en 2007 ils essayaient de... Bah je sais pas, ils t'aidaient pas du tout, tenaient pas la main. Ici ils te tiennent trop la main et du coup t'as trop d'automatismes qui font que du coup, bah certaines choses sont impossibles à faire quoi. Alors du coup, j'ai plusieurs... Ah, c'est ça que je dois péter, d'accord. Est-ce que j'ai encore du C4 ? Ah mais non, c'est dans Crysis ! Je confonds les deux jeux maintenant ! J'étais en train de me dire, bah, le C4 que j'avais hier, il est où ? Mais c'est pas le même jeu, frère. Aïe ! C'est deux époques tellement différentes. Ah oui, c'est ça, c'est le jour et la nuit. Hein. J'ai pas fait exprès de faire ça, moi! Alors, je prends des coups de ouf. Mais. Je me prends des coups, je sais pas d'où! Je vois rien! Prends la hauteur, hein. Vamonos! Oh, ça va péter ça. Y'a un sniper qui me tire dessus, je sais pas d'où les gars. D'où il court comme ça, lui? Oh boy. Vamos. Par contre, la fille, elle est forte. Elle se casse le bras, elle répare, elle brûle deux secondes après, tout va bien. Hey, ça, c'est la puissance du... Comment? Du Far Cry, quoi. Je crois que je les ai semés. Alors, du coup, t'allais envoyer chercher des photos de ce que je dois chercher, de ce que je cherchais. Je trouverai sur les routes principales. Détruisez les camions publicitaires. Ça, on s'en fout, là. Ah, ça, c'est un camion publicitaire, par exemple. Ça, c'est un exemple de camion publicitaire. Ok, bye. Maria va comprendre le message, maintenant. Ouais, par contre, j'ai besoin de... Talia. Ah, j'ai fini. Dommage que tu puisses pas voir la tête de Marquesa. Je suis jalouse. Et son usine de Rome, t'y as fait un tour? Je vais bientôt m'en occuper. Explose-moi tout ça, Dani. J'ai pas déjà fait? J'ai dû bien le faire, il s'en...
Propagande de Maria, c'est de l'histoire ancienne. Voilà, cette petite princesse. Alors, je pense que si tu aimes bien tout ce qui explose, Just Cause pourrait te plaire en fait énormément. C'est un jeu où le but c'est vraiment que ça en fait. Il y a vraiment que comme ça qui peut encore avoir une érection. Oh. Je vais la défoncer, Talia. Oh. Ça parle d'érection comme ça devant tout le monde. Dis donc. J'ai plus de munitions, j'aimerais bien trouver un endroit où me refaire un peu en munitions. Ah, par contre, un truc intéressant, c'est que j'aime bien regarder ce que font les PNJ, etc. Un petit peu comment fait le décor, qu'est-ce qu'ils ont caché dedans. J'ai trouvé un endroit, bon, c'était hors live du coup, il y avait plein de crabes, mais genre vraiment beaucoup de crabes. J'arrive et il y avait un seau en plein milieu. J'ai knock le seau, enfin j'ai tapé un petit coup dans le seau, et il y avait une tête, en fait il y avait un mec enterré dans le sable, sa tête qui dépassait, il avait un seau sur sa tête, et des crabes sont venus le bouffer en fait. C'était, t'es là, tu fais, waouh. T'es vraiment un bon chien. Ils ont vraiment poussé les détails en fait. J'ai un nouveau pantalon, yeah. Hey, je suis venu ici par hasard et j'ai récupéré du loot. Donc n'hésitez pas, si vous jouez à ce jeu que vous aimez bien visiter, cherchez. Tire dans le panneau et panneau explose comme si ça avait lancé une grenade. Ubisoft adore ce genre de petit clin d'œil visuel. Ouais, je vois ça, franchement oui. J'ai rien demandé. Mais j'ai rien demandé, what the fuck. Je suis en train de chasser. Je suis en train de chasser le sanglier calmement. Boum boum, viens. Ah bah attends. Wait. J'arrive pas à viser avec l'arc, putain. Alors. Oui, je pense que je vais jouer en coop à ce jeu à un moment donné. Parce que je sais que, ben Tib l'a peut-être pas encore, mais je sais que Crash là par contre. Et juste pour tester avec eux. Mais est-ce que je ferai le let's play avec eux, je ne sais pas. Parce que là je suis en train de bien avancer tout seul. Et je suis déjà apparemment à 30% de l'histoire. En gros, si on fait encore 3-4 lives, on finit le jeu en soi. Genre là, c'est rigolo, c'est que j'ai pété son camion là. Mais en gros, j'étais pas... Je sais pas ce que je faisais en fait. J'étais là en mode... Un peu en mode brain fart, vous savez. Ça vous arrive ou pas ce genre de phase, de ce genre de moment où vous faites un truc, mais vous savez pas pourquoi vous le faites dans un jeu vidéo. Genre des fois, t'es en train de taper sur un carton pendant 5 secondes, mais tu te dis, bah, pourquoi je fais ça? C'est jouable à 2. Dying Light par contre sera jouable à 4 et je pense qu'on va le faire quand il sortira, je pense que je le ferai avec Tib. Ou pas, je sais pas en fait, ça dépendra et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent que je fasse les let's play tout solo, tu vois. Mais c'est plus fun quand même à plusieurs. Et ça fait moins peur du coup, forcément. Ça c'est un tank. Bruit de boum boum quand il a mal, c'est pas ouf, hein, ça fait peur. T'es là en mode, mais mon petit boum boum, ça va? Un petit boum boum! Il est où le chef? Où est votre chef? Il est où votre chef? Descends les escaliers, toi. Descends les seuls. Il est où le chef?
Il est où? Il vient pas, hein? Ok, on va le montrer. Ouais, je suis de retour sur Far Cry. Bah ouais, on était sur Crysis hier. Là, aujourd'hui, on reprend un petit peu Far Cry. Je pense que je vais faire quand même Crysis 2 et 3. Hein. On va les faire, hein, parce que j'ai jamais fait le 3. C'est pas le moment, boum boum. Oh, bordel! C'est Ross. Genre j'ai raté toutes mes cibles. J'ai raté tous mes tirs. Genre je joue une journée à un jeu qui n'est pas Far Cry et je sais plus viser sur Far Cry. Tous les FPS c'est pareil. Tu vises la tête, c'est bon, c'est Ross. Oh là là, ouais. Faudra te réapprendre à jouer. D'ailleurs, pourquoi j'arrive pas à jouer à l'arc? Est-ce que je vais trop vite? Je pense que je vais trop vite. Si je vais pas aussi vite, peut-être que ça ira. Cette alarme est blindée. Ah, il y a un drop. Ça marche pas avec l'arc. Besoin de soldats en plus ici. En plus, ils prennent pas leurs balles. En fait, ils meurent pas avec une balle, ils meurent avec deux balles, tu vois. Donc, c'est clairement pas mon level. Forcément, je me fais repérer quand je fais ça, tu vois. Repérer. Ouais, si je prends mon temps, ça va mieux en fait. Genre, quand je vais trop vite, je rate toutes mes cibles, mais si je prends mon temps, tout va bien. Tu restes un Céros de qualité, merci beaucoup quand même. Chuck Morris. J'adore ton pseudo. Moi j'adore les Let's Play Resident Evil en coop et Dead Space. C'était bien, hein, moi j'ai beaucoup aimé jouer avec Tib. J'adorais faire ces Let's Play. Tonton Céros est plus doué pour l'horreur, n'est-ce pas? Je suis pas d'accord. J'espère pas. J'ai tout pris ici. Capitana niveau 8. J'ai de la poudre à canon. Let's go. Ouais, j'ai un truc ici. Allez, donne-moi les informations sur la prochaine. Quoi de neuf? Danny, l'armée vient tout juste d'installer un site anti-aérien. Ouais. Je le marque sur ta carte. Merci. Ça, je veux. Je suis obligé de faire ces trucs-là pour le déplacement rapide. En fait, c'est salaud parce que vous savez, dans Far Cry 5, il fallait... Dans Far Cry New Dawn, il fallait trouver tous les trucs d'une zone. Ça, c'était dégueulasse. Il fallait... En fait, t'arrives, t'avais 3 caisses, 5 caisses, 6 caisses éparpillées dans la zone. Il fallait les trouver. Et quand tu les trouvais, tu pouvais te téléporter sur la zone. Ici, pour se téléporter... Il faut juste tuer tout le monde. Mais je trouve que ça reste quand même un petit peu... Ça reste un petit peu abusé. Qu'il faut faire autant de choses pour pouvoir se téléporter. Genre juste aller dans la zone, c'est pas suffisant, tu vois. Donc je vais aller là-bas pour pouvoir... En fait, je fais ça pour me téléporter uniquement. Comme ça. Et surtout, si je dois m'enfuir en hélicoptère, je peux utiliser l'hélicoptère. Parce que si je ne détruis pas ce truc-là avant, en fait, le site anti-aérien va m'empêcher de... Il va m'empêcher d'aller sur... de prendre un hélicoptère et de m'envoler, tu vois. Et ça c'est pas très ouf, hein. Si jamais je trouve un hélicoptère, bien entendu. Donc, par contre, tu peux t'envoler en parachute et en deltaplane, y a aucun souci. Y a de l'arbre qui vole. Ouais. Alors, c'est surtout ça qui nous a manqué sur Twitch, le jeu en coop avec live base. Parce qu'en ce moment, je fais que du solo. Alors, je fais beaucoup de FF en ce moment, par contre, en coop avec Tico. Avec Tib, on joue un petit peu moins ensemble parce que du coup, il joue pas FF. Mais avec Tib, il faut qu'on fasse un jeu d'horreur dans pas longtemps, là, de toute façon. Donc, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Après, c'est sûr que comme j'ai changé d'horaire, c'est plus difficile de se synchroniser avec tout le monde. Alors, là-dedans, c'est là-dedans qu'il y avait le lance-roquette. T'as une mission cachée là-dedans et ça te donne un lance-roquette. Il faut juste répéter le truc de bien. Comment ça va? C'est là que tu trouveras les ressources.
Bonne chance, camarade. Merci. Merci. Alors, vous ne rêvez pas, c'est vraiment un garde qui m'a donné une mission. Mon hein. Chien. Qu'est-ce qu'on a là ? Genshin a l'air d'avoir plus. D'avoir plus à beaucoup de gens. Exactement, Raiketon. Et j'ai été vachement étonné. Et du coup, ça va me permettre de. Ben, on va pouvoir refaire des lives sur Genshin. Et avancer un peu plus dans le jeu, etc. en live. Puisque je m'attendais pas à ce que ben, le jeu plaise aux gens, en fait. Nettoyer la zone. Assez simple en fait, ça va. Pas de complications outre mesure. Du coup, je peux limite enchaîner sur celui-là qui est pas loin. Il est à 600 mètres. Vous avez vu en fait que le chien a repéré les cibles pour moi. Oh, ce combo. Ah, c'est du matériel médical, ce serait bien pour l'équipe et tout, bon, franchement. Je vais choper un véhicule. J'essayais pas en fait qu'on pouvait commander son véhicule à tout moment. Et quand j'ai découvert ça, j'étais là en mode, ah c'est trop bien. Du coup tu peux appeler ton véhicule, il y a un mec qui vient l'emmener pour toi. La voilà, on voit même pas les impacts de balles. Gracias, gracias. Genre maintenant c'est devenu si facile pour toi, Seros, tu gères. Enfoiré. C'est payant en Dark Deception ? Oui. C'est payant sauf l'épisode 1. L'épisode 1 est gratuit. Donc tu peux jouer gratuitement si tu veux. Quoi, tu peux commencer à y jouer gratuitement. Et après tu vois si tu éventuellement si tu l'achètes ou pas quoi. Alors là, normalement la semaine prochaine, il y a une mise à jour qui permettra de corriger tous les bugs que j'ai eu. Parce que les bugs que j'ai eu étaient un peu dégueulasses. Genre, j'ai tourné pendant 2 heures dans l'épisode final. Et j'ai jamais... Le petit bonhomme qui est censé avoir le vrai cristal n'était pas spawn en fait. Parce que je les ai tous éliminés et il n'y avait plus personne en fait. Camarade, les éclaireurs ont trouvé un canon anti-aérien. Je le marque sur ta carte. Eh merci. Eh merci. Oh bah c'est à côté. Chien me regarde de travers. J'avoue, pourquoi tu le grognes après C'est quoi le délire? Alors, je suis sur Little Nightmare, ça ressemble un peu à Inside quand même. D'ailleurs, petite anecdote, sachez que Caro fait un live Little Nightmare ce soir. Parce qu'elle a décidé pour Halloween de faire plein de jeux d'horreur. Un médecin de garde. Regardez, les flèches vont pas à droite. Il y a un ingénieur. Je pense qu'il faut que j'améliore encore l'arc. Parce que c'est pas normal en fait que les flèches vont pas dans la direction que je veux qu'elles vont. C'est pas normal. Et ils tirent pas droit quoi. C'est pas comme... Bah tu vas me dire que c'est pas comme le... C'est pas comme les fusils tu vois, mais quand même. Normalement l'arc c'est mon arme préférée dans Far Cry. Là c'est... ça marche pas comme d'habitude. Ah d'accord, ça marche pas sur, sur ce truc là, d'accord. Elle est trop heureuse donc je vais devoir l'encourager. Ouais, en fait elle a fait Alien Isolation, elle a même pas vu l'alien, elle a flippé de ouf. Du coup, je lui ai conseillé. C'est joli. Comment ça, j'ai vu Innovation et j'ai pas vu Alien, gna gna gna. Je t'écoute sur mon live, chérie. Kev,
Vous l'avez entendu ou pas? Vous l'avez entendu? Razad, merci à toi, c'est gentil. Merci. Alors, si j'obtiens la clé assez rapidement pour le nouveau Man of Medan, enfin House of Ashes, on s'était dit qu'on allait le jouer ensemble. Ça aurait pu être logique, tu vois. J'ai discuté avec cet Américain-là, ce Colton. C'est Rose de Power. Au bout de 30 secondes, je le supportais plus. Essaie de battre mon record si tu en as le courage. Cool, elle m'a donné une course. Ma voiture est garée là-bas. Phoenix, oui, j'ai entendu dire ce que tu dis. Elle a pas vu l'alien. Non, elle a pas vu l'alien, elle avait super peur. Mais donc, du coup, je lui ai conseillé de jouer à Little Nightmares, qui est un jeu d'horreur beaucoup plus, on va dire, light en termes d'horreur. Il fait peur, mais pas autant, quoi. Le 2 fait plus peur. Par contre, le 2, je lui conseille pas. Je lui conseille déjà de faire le 1 si elle aime bien. Je sais pas si elle finira, mais en tout cas, elle va le tester ce soir. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, à l'encourager, hein. Elle a besoin de courage et de puissance. Salut Enzo, salut, tu vas bien? Michi Rajad, ce prénom. Ouais, son prénom, il est goldé. Son prénom est goldé, ok. Moi je dis, ok. Je suis d'accord. Oula. En fait, je suis en train de faire comme la dernière fois. J'ai dit que je faisais que les 4 principales avec vous, les 4 secondaires hors live. J'ai fait plein de 4 secondaires hors live. Et là, quand je joue avec vous, je fais quand même les 4 secondaires, parce qu'il y en a vraiment énormément en soi. Et comme... En fait, je suis quelqu'un de géographique. Vous savez ce que ça veut dire? Quand j'ai une quête qui est à proximité, je préfère la faire de suite, en fait. J'aime pas attendre 3 ans pour la faire, etc. Si je suis là, à côté, autant la faire, tu vois. Parce que je sais que je reviendrai pas ici. Donc moi, géographique, ouais. Je pense que c'est le bon terme. C'est que si la quête est à côté, à proximité, et ben, et que je suis là, ben, je vais la faire. J'adore ce chien. Qu'est-ce qu'il fait, le chien? Parce que j'ai des défis. Parce qu'il résout des défis, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fout. J'adore en fait qu'il y a des histoires cachées, etc. En fait, c'est un petit peu comme Division. Ubisoft fait la même chose à chaque fois sur ses jeux. Il fait du lore. Donc le truc est super complet, mais si tu vas pas dedans, tu sais pas. Ne t'en fais pas. Je l'encouragerai ce soir, car c'est un excellent jeu, ce Little Nightmare. Ah oui, Little Nightmare, il est goldé. Il est vraiment génial. Je veux le coq ou le petit chien, là. Caresser Chorizo à la ferme de Montero, au pied de la Mogote. Parler à Reneldo. Rapporter les 3 reliques de la Triada à la grotte des Ovuvac au pic de Ventura. Oh. Moi je veux Chorizo, les gars. Vous voulez jouer avec Chorizo ou pas? Vous voulez voir Chorizo? Chorizo, c'est le petit chien avec un fauteuil roulant. Allez, on prend cette voiture là maintenant, elle est plus classe. Elle est plus classe quand même. On peut changer le klaxon. Bon, elle est verte du coup, mais bon, c'est pas grave. Alors, je sais plus ce que je cherchais. Je voulais voir les objectifs. Oui, je voulais voir les défis. Parce qu'en fait, il me disait que machin faisait des défis, mais je voulais savoir quel défi il est en train de faire, tu vois. Opération, objectif de Yara. Maintenance de Yara, très bien. Terminé, on s'en fout. Ici, c'est la carte. Là, c'est l'arsenal. Y a rien de ouf. Les amigos, peut-être que c'est... peut-être que je dois faire des... ici... la première chose qu'on a appris, Montana s'est repéré les ressources, les cadavres ennemis. Boum boum doit marquer 24 animaux. Ok. Ah, boum boum doit marquer 50 ennemis. D'accord, c'est ce qu'il fait. D'accord. Je pense que c'est les défis qui sont écrits. Défi couche épaisse, défi mise à jour, 13 sur 50. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Ok, très bien. Moi, je veux un jeu d'horreur. Ça va devenir une voiture du futur. Tu veux un jeu d'horreur où? Sur Twitch? Bah non. T'en as tous les jours sur YouTube.
Je sais pas si ça l'aura ce soir par contre. Hein, Faut voir si je suis motivé à tourner une vidéo pour ce soir. Vu que j'ai fait une vidéo d'art réception hier là. C'est bon, y a pas de garde. Genre littéralement le truc n'est pas... n'est pas protégé quoi. Vraiment. Ok, il y a personne qui surveillait leur truc, donc il a explosé, c'est tant pis pour eux. Hein. C'est pas très mal, hein, si vous voulez mon avis. Hein. Toute œuvre littéraire, visuelle, sonore ou théâtrale doit être soumise à la ministre de la Culture pour approbation. Toute démonstration ou toute distribution est autorisée. Le timing est carrément parfait! T'es avec Fuis les guerriers, images c'est ça et je te ferai de la pub comme jamais. On va tourner le meilleur vlog de tous les temps, baby. Rien que ça. Ah, c'est un vlogueur. Ça va être un truc démon. Ouais, ça va le faire. On va filmer. Ça te va? Ouais. Génial. Ok. Colle-moi au cul, genre tu me filmes tout le temps, hein. Ok. Allez, putain, c'est parti. Cogno. Yo. Hein. Oh, j'y crois. Ah, ça c'est le vlog de l'année ça les gars. Des trucs de gang. Tu filmes hein. Comme si tu connaissais quelque chose. Tirez leur reflux. Ah merde. C'est des crétins. Qui a autorisé ça? Oh putain. C'était carrément chaud. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça. En fait, derrière, tu entends qu'il y a les gars qui sont en mode. Mais qui sont sur le... Qui sont là sur le champ de bataille? Ça, c'est des abdos en béton armé. Les tablettes de... On est sur un champ de tir de char, ouais, en fait. Donc c'est ultra dangereux. C'est vraiment typique d'un vlogueur américain. Wow, la puissance, la vitesse, la coupe de cheveux, c'est la pompe ma gueule. Tu devrais essayer mon taf. C'est bien moins dangereux. Non, merci, mon job est assez dur comme ça. T'as déjà dit des trucs pas cool en ligne? C'est terrible ma gueule. Quoi? Il a raison. Allez, c'est horrible. Tu déconnes? J'y crois pas. Comme merde. Comme merde. Il est mort par une bombe. La pas encore, hein, bientôt. Et cliquez sur le lien dans la description. Ah oui, cliquez sur le lien dans la description. C'est quoi ce délire sérieux? C'est énorme. J'ai cliqué, t'es mort. Les bombes vont être ruinées. C'est des éditions limitées, putain. Ferme-la et cours. Julien Rock, l'œil du tigre, ma gueule. Mais ouais, essaie d'arrêter les balles comme ça. Ça c'est de la mission secondaire de qualité les gars. Ça c'est de la mission secondaire de qualité, je suis désolé mais c'est top. C'est vraiment le filmer le youtubeur sur un champ de bataille, let's go. C'était le truc le plus cool
de toute l'histoire de l'humanité, ma gueule! Quand est-ce que tu vas parler de Libertad? Oh, vas-y, savoure! Tu te rends compte du nombre de vues qu'on va faire? Des millions, ma gueule! Des milliards, même! On pourra pas faire mieux! Sauf peut-être si quelqu'un meurt! Oh, merde. Je dois mettre la vidéo en ligne. C'est ce qu'il aurait voulu. Oh non. Ok, j'ai pris les chaussures. Oh putain. Oh putain. Oh non. C'est horrible, les gars. C'est horrible, franchement, c'est n'importe quoi. Allez. Prenez soin les uns des autres. Signalez au plus vite les actions et mots malveillants pour aider les citoyens égarés. L'Académie des Vrais Yaran peut vous remettre sur la voie. Allez, ça va, la 4G ici, ça marche bien. Hein. C'était insane. T'es vu, ma gueule. Mais il est mort. Il est mort. Quelle vue. Oh putain. Le ça c'est le truc typique hein. Détruisez sa cible à Danton. Soyez serein. Travaillez bien. Pourri. Ah, je dois détruire la statue d'Anton. D'accord, let's go alors. Faut que j'y aille. Ah, mais franchement, je suis content d'avoir cette quête secondaire. Elle était géniale. Bon, la fin est choquante, mais c'était drôle. Bon, c'était drôle. Au pied. Salut Zoro. Quoi fait? Ben, écoute, on était en train de filmer un youtubeur dans son délire et il est mort explosé par une bombe. Il était si jeune et si innocent. Les arbres m'ont littéralement chatouillé les fesses. Et je peux vous dire que c'était pas agréable. L'explosion ultime, genre en direct. Mais c'est surtout que le jeu n'est pas gore normalement. Mais là, il a explosé dans un nuage de sang. Et il y avait des chaussures qui sont retombées dans le sang, quoi. T'étais en mode, j'étais en mode, what the fuck? Sérieusement? Alors, je sauterai plus, je fais plus les erreurs la dernière fois, je saute pas là-dedans. Hein. Vous savez, les gars, c'est un pélican. Attendez, c'est un pélican. Eh, si c'est un pélican, je vais lui donner à manger. Il y avait un truc là qui a disparu, là. Oh, c'est pas un pélican. Non, c'était un... Alors, saute pas là-dedans. Non, 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 saute pas là-dedans. Non, 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 saute pas là-dedans. On sait exactement ce qu'il y a dans cette eau. On saute pas dedans, on saute pas. On sait exactement ce qu'il y a dedans, on saute pas. Chorizo adore la thune. Karma. Ah oui, le karma, ouais. Et le pire, c'est que j'étais proche de lui, en fait. J'aurais pu prendre aussi l'explosion dans la gueule, hein. J'aurais pu mourir. Ça aurait été moins drôle, du coup. Regarde, ça, c'est chiant, par contre. Elle peut plus escalader où on veut. Ils ont un petit peu nerfé l'escalade dans le jeu. Et je trouve ça un petit peu dommage. Parce qu'avant, je pouvais sauter où je voulais. Là, c'est des endroits précis sur lesquels tu peux monter. Je sais pas s'il faut une arme spéciale pour Ah non, bon. Il fallait juste passer à côté. Bon, écoutez, on arrive ici, 124 mètres, on a une zone à nettoyer. Je m'entraîne encore à l'arc parce que apparemment...
vais devoir faire ça. Clara, j'approche d'une case sèche militaire. T'as des infos ? Non, mais j'en veux bien. Essaie de trouver un ordinateur. Toute information est bonne à prendre. Pas de problème. Il y avait des mines. Alors s'ils brillent en jaune, c'est grâce aux chiens. Boum boum, repère les ennemis pour moi en fait. Comme ça, je peux les voir à travers les murs et tout, c'est okay. Vraiment pas mal. Ça va beaucoup mieux d'un coup avec l'arc. Mais les cibles qui vont de gauche à droite, j'ai encore du mal. Hein. Fuck. Il y a des bugs dont le faire ensuite c'était pas possible, maintenant il va attendre tout simplement. Ouais, il faut attendre la semaine prochaine. Normalement, dès la semaine prochaine, je pourrais y jouer. Hein. Ils ont dit que c'est. J'ai vu le tweet, la semaine prochaine c'est réparé. J'ai pas envie de jouer pendant 2 heures à tourner en rond pour essayer de déclencher la fin, vous savez. Faut pas que ça se gâche. Faut pas gâcher le plaisir du jeu pour moi, ok. Oh, oh, il a tué Boum Boum. Pour des bugs. Bah en fait c'est pas ça, c'est que le jeu fonctionnait pour eux. Alors je peux comprendre, le jeu fonctionnait pour eux. Le souci c'est lorsqu'il sort, et y a, quand, plus tu as de monde dans, qui joue au jeu, plus vu que les gens font pas la même chose, parce que eux ils jouent, ils ont créé leur jeu et ils savent quoi faire. Tu sais. Donc en gros ils arrivent, ils savent que quand tu regardes la cinématique, tu regardes la cinématique et après tu, je sais pas, ils allaient à gauche, ils allaient à droite, peu importe. Sauf qu'en fait, quand tu mets le jeu dans les mains des gens, les gens ils arrivent, ils prennent le jeu et en fait ils vont faire des trucs que tu penses pas faire. Par exemple, ils vont ouvrir la tablette et lancer un pouvoir en même temps, tu vois. Et ouvrir la tablette et lancer un pouvoir en même temps, en courant devant un certain endroit, c'est un truc que tu aurais jamais fait toi tout seul en tant que développeur, mais vu qu'il y a d'autres gens qui le font, et voilà, et tu peux déclencher un bug comme ça. Moi par exemple, je sais que ben, ma partie, là où je suis, je ne peux pas continuer le jeu. À moins de recommencer entièrement le niveau de ma Mabir. J'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie de recommencer le niveau depuis le début, tu sais. Parce qu'avec les ours et tout explosif, c'était chaud. Et moi, j'étais vraiment content, en fait, d'arriver là où je suis. Mais là où je suis, le problème, c'est que oui, le bonhomme qui fait... le bonhomme qui pop avec le vrai cristal ne spawn pas. Et je n'ai pas le radar qui m'indique où il est. Parce que normalement, à la fin du jeu, tu as le petit radar qui te dit où est le dernier cristal. Et le radar n'existe pas. Donc va trouver, la map est gigantesque, va trouver un mini ours qui court à l'inverse de toi partout sur la map. Insane. Alors un im, ça s'écrit avec un Y, Enzo. Et deux M, il me semble. Alors, tue un ennemi en feu, génère une charge de supprimant supplémentaire. Les éliminations avec une arme bricolée génèrent une charge de supprimant supplémentaire. Ok. Tue un ennemi empoisonné, génère une charge de supprimant supplémentaire. Tuer 3 ennemis rapidement, génère une charge de supprimant supplémentaire. Ok. Tue un ennemi avec une tire à la tête. Ok. Oh, bah si on fait ça, les gars. Bah c'est bon, hein, on aura du supprimant tout le temps. Pour l'instant, j'ai pas besoin des autres trucs. Une grenade à perception. À la limite, ça pourrait être sympa. Ça me permettrait de... Ça permettrait de voir les gens de loin, tu vois. Ce serait plutôt cool, en vrai. Est-ce que je peux améliorer le silencieux là-dessus? Toujours pas. Il me manque des circuits industriels. J'en ai pas. Ok, d'accord.
Très bien. Pour l'instant, en fait, les armes, je ne peux pas les améliorer plus que ça. Comment j'améliore alors, la puissance de feu d'une arme? Ah, il faut que j'achète... Attends, si, je peux. Je suis bête. Si, il faut que je regarde. C'est ici. Tête creuse, toxique, explosif, incendiaire. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ici, c'est juste le viseur. Un viseur tactique. 3 fois. Et ici, c'est un 4 fois. Ok. Bon, bah, ça va alors. J'ai pas vraiment besoin... L'arme que j'ai actuellement, elle est au maximum, on va dire. Par rapport à celui-ci, tout est bien. Je veux des flèches de précision volant plus droit sur de plus longues distances. Ouais, ça, je veux ça. Je veux ça parce que ouais, c'est chiant sinon. Ensuite, arme principale 3. Du coup, je suis en lance-roquette. Est-ce que je peux améliorer quelque chose en lance-roquette? Verrouillage de cible. Ouais, j'ai rien amélioré, j'ai rien changé. Ouais, on s'en fout. Celui-là, c'est juste pour exploser les véhicules. Je le garde parce que c'est pratique. Là, actuellement, avec le combo d'armes que j'ai, j'ai pas l'intérêt de changer, tu vois, parce que c'est ma façon de jouer. Ça, c'est embêtant parce que du coup, ça m'empêche de voir les autres armes. Il faudrait que je me force à jouer avec les autres armes. Mais j'ai pas envie. Je suis là en mode, c'est efficace, pourquoi je ferais autrement? Un pointeur laser. Réduit la dispersion des balles lorsque vous tirez au jugé. Je tire jamais au jugé au pistolet. J'ai ces balles là, d'accord. Suppresseur, je peux pas changer. Et ici, je peux mettre. Doigt de fée, la vitesse de remplacement d'un chargeur entamé. Ok. Augmente la dégâts des armes qu'on les a mis en contrebas. Réduit le temps de refroidissement des silencieux. Genre pour l'arme ou pour toutes les armes? Allez, on suit. Allez, c'est parti. Du coup, on va aller détruire la statue d'une monsieur là-bas. Elle est forte à porter ce possible. Ah bah oui, totalement. Tu as trouvé l'alligator qui brille. Je suis censé être au courant, tu m'en avais déjà parlé, je m'en rappelle pas. Un alligator qui brille. J'ai pas cherché en tout cas, s'il y en avait un. L'animal tout en bas fait de la magie noire. Oh bah ça. C'est long après tout recommencer déjà que tes rediffusions, j'ai vu que tu galérais. Ah bah ça. Alors, après galérer c'est un grand mot, mais... Oui, non, t'as raison, je galérais. Littéralement, oui. Je fonctionnais pareil que toi au début, je ne changeais jamais mon set d'armes. Bah finalement j'ai changé, j'ai trouvé des pépites, dont la S, Val, silencieux, que je te conseille. Je l'ai pas encore, du coup. Ou alors, peut-être que je l'ai. Attends. Est-ce que je l'ai? La S, Val. Celui-là. Bah je l'ai pas encore. Trouver les zones contrôlées par des militaires. D'accord. Je l'ai pas encore débloqué. Il est mieux que le M16 parce que le MS16, que c'est la première arme du jeu, je la trouve bah, amplement suffisante. Hein. J'ai pas besoin de jouer avec les autres. Et la mitraillette, etc. font pas assez de dégâts pour moi. Il est bien le jeu. Moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup le jeu. Après il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais moi j'aime bien. Il y a un sniper dans cette tour. Je vais le faire à la James Bond. Putain, qui a fait ça? C'est bon, il y a un temps qui vient de passer. Ta 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 ta.
C'est ça, agent 07. Alors, Céros, est-ce que tu serais, durant les 630 abonnés sur YouTube, tu serais capable de recommencer Dark Deception en entier? Non! 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 Une fois que j'ai fini Dark Deception, on joue plus à Dark Deception. C'est fini, les gars. C'est comme Granny. On joue une fois et après, c'est fini. Talia, je suis à la statue. Mes balles serviront à rien. Caro Viper a mis à jour sa story. T'as qu'à laisser parler ta créativité? Ouais. Ouais, donc du coup, elle dit qu'elle est en live ce soir. Oh. Attendez, je reviens. Est-ce que vous avez vu les news sur GTA 6, les gens? À ce qui paraît, GTA 6 va être avoir une map comme Fortnite, c'est-à-dire une map évolutive dans le temps. Je trouve que ça peut être sympa, du style par exemple un bâtiment en construction au début du jeu, et après, ben, dans 2 ans, en fait, le bâtiment il sera fini de construire. Après, c'est embêtant, on va dire, pour les gens qui ne jouent pas au jeu tout de suite. Parce que eux, du coup, ils ne verront jamais le bâtiment en construction. Mais bon, c'est pour les gens, c'est pour du live service, on va dire. Je trouve ça cool. À quand est live jeu d'horreur avec Caro? Mais j'ai répondu tout à l'heure, c'est... Je t'ai dit, on va faire la suite, tu sais, House of Ashes. Ok, reste sur tes gardes, Dani. En vrai, le chien me sert beaucoup pour... Bon chien, qu'est-ce qu'on a là? Bah du coup je dois monter ou... Non, je dois pas monter, je dois juste le péter en fait. Le problème c'est... Bah d'accord, il faudrait donc lance-roquette dessus. J'ai intérêt de nettoyer la zone avant et je vais me faire défoncer. On va faire ici pour moi. Je la vois pas. Boum boum. Est-ce que tu m'as déniché? Ah merci. On va éliminer tout le monde. On va essayer.
mon chien. On va essayer d'éliminer tout le monde avant de faire péter des trucs. Ok, il y a des rebelles, il y a des rebelles qui attaquent. Parce que je veux dire, c'est pas moi. Je me suis pas fait repérer, what the fuck. Il y a des gros camions qui arrivent avec plein de gens. Ah, je sais. Ok, je sais exactement ce que je dois faire. Trop bien. Ça va être une mission tank, les gens. Donc on va prendre ce truc là. Ça c'est une quête secondaire en général. Allez, c'est parti. Ok, c'est fini! Talia, c'est fait! Super! Cette carte va devoir aligner des millions pour refaire tout ça! A plus tard! Ouais! Tu vas adorer la suite! Ah ouais? Je sais pas si je vais adorer la suite, hein! Parce que moi, je suis sur le feu ennemi, moi, mesdames! Allez, on y va! Tu as son setup plus bas, sous le live. Exactement ce qui est bien avec Twitch, finalement, c'est qu'il y a tout ce qui est là, tu vois. Attends, j'ai vu un truc en vidéo, je vais tester pour voir si ça marche. Vous êtes prêts les gars? Vous êtes prêts? Attendez. Attendez. Là... Attends. Ça marche pas comme ça les tanks? Attention. Moi je dis que c'est une feature les gars. Je veux rien savoir, c'est une feature, ok. Genre tu peux. En fait le canon du tank, il est physique. Et forcément, il rentre en collision avec les trucs. Et comme il ne se bloque pas quand il rencontre un obstacle, bah tu peux valdinguer je pense avec une voiture. On peut l'envoyer très loin, genre en mode batte de baseball, tu sais. C'est un sport. Je joue à World of Tank. Ouais, c'est un jeux olympiques, les gars. Jeux olympiques, hein, OKLM. Putain, j'ai un trésor, là. Faut que j'arrête de faire les quêtes secondaires. Je peux pas m'en empêcher, c'est juste là, ok.
J'ai envie de faire la quête secondaire. Aimes-tu les gachas? Bah écoute, j'ai bien aimé Rage of Legends. Sans mentir, hein, c'est pas une blague ou quoi que ce soit. Genre quand j'ai fait l'OPSP, c'est parce que j'aimais bien le jeu en fait. Rage of Legends. Et j'ai fait Genshin Impact. Que je viens de commencer en fait. Genre Genshin Impact, je viens juste de commencer, qui je ne trouve qu'il ressemble même pas à un gacha en fait. C'est vrai, littéralement un JRPG, un vrai ARPG comme Zelda et tout, c'est trop bien. Et dans lequel tu dois acheter des personnages quoi. J'adore ce chien.